Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Avant toute chose, place au sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a sillonné quelques instituts et universités pour constater la reprise effective des cours à Kinshasa. Plusieurs écoles, instituts supérieurs et universités ont réouvert leurs établissements ce lundi 10 août 2020 pour accueillir les élèves des classes terminales et les étudiants. Une trentaine de membres et cadres du parti politique Action concrète pour les changements étaient à l'école du savoir. Leçon du jour, l'idéologie de cette structure. Cette formation prône le fédéralisme et le libéralisme économique. À l'occasion de la première journée des reprises des cours pour les élèves finalistes du primaire et secondaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité l'Institut de la Gombe et l'Institut technique et commercial de l'IMETE, où il a brièvement échangé avec les élèves. Sylvain Kapombobo Sengele pour les détails. Il est 7h30 et toutes les salles de classe de l'Institut de la Gombe affichent complet. Avant la visite du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu s'assurer personnellement de l'effectivité de la reprise des cours. À la tête d'une grande délégation, aux côtés du ministre d'État Willy Bakonga et le vice-ministre Didier Boudimbou, venu un peu plus tôt, le président de la République commence sa visite à l'école primaire de l'Institut de la Gombe. Des explications lui sont fournies par les directeurs de l'école, tenus à faire respecter les mesures barrières contre la COVID-19, telles qu'exigées par les ministres d'État en charge de l'EPST. Aucune salle de classe n'est bondée, tout a été organisé de telle sorte que la distanciation physique soit respectée. Là, déjà, je vois bien la distanciation sociale, c'est respecté, les cache-nez et tout, laver les mains, les seaux, les savons, les désinfectants, on a partout, donc il y a des mesures qui ont été prises. Une reprise des cours obtenue presque au forceps après plusieurs reports. Les ministres d'État à l'EPST et les vice-ministres ont été félicités par les chefs de l'État pour leurs efforts sans répit et prodigués quelques conseils. Vous allez reprendre vos cours. C'est une année importante, cruciale pour vous. C'est pour ça qu'on avait tout fait pour que vous ne connaissiez pas de retard dans ce que vous avez déjà entamé en septembre de l'année passée. Donc il fallait que ça continue. Après l'Institut de la Gombe, direction Institut technique et commercial de l'IMETE, où le président de la République a aussi brièvement échangé avec les élèves avant de se rendre à l'Université de Kinshasa. Il faut dire que le 10 septembre prochain marquera la clôture de l'année scolaire 2019-2020, 30 jours exactement, pour préparer et passer les examens de fin d'études primaires et secondaires. À Kisangani, les universités et instituts supérieurs ont respecté les programmes du gouvernement congolais et ont repris les cours ce lundi 10 août 2020. C'est un constat fait par Patrick Mangala. Après la levée de l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de COVID-19, les étudiants ont repris le cours dans les différentes universités et institutions de la ville de Kisangani. De l'université Mariste du Kogo au Sepromade à Pansa par l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani, les étudiants finalistes se sont retrouvés dans leurs auditoires avec leurs enseignants. À ces temps de COVID-19, ces établissements ont exigé aux étudiants et enseignants le port de masques, la distanciation physique pour barrer la route à la pandémie de COVID-19. C'est le cas de l'Université Mariste du Congo, IMC, où toutes les promotions ont repris le cours. Nous avons repris, mais moi je dois être sincère, nous avons repris avec toutes les promotions. Étant donné que nous n'avons pas des effectifs faramineux, donc nous pouvons respecter les mesures barrières. À l'Institut supérieur pédagogique, les DG de cette institution et l'académique ont fait la ronde des auditoires et bureaux malgré les mesures mises à la disposition des étudiants pour les épargner de COVID-19. Le comité de gestion lance un cri d'alarme aux autorités sanitaires. C'est pourquoi je profite de l'occasion ici pour s'adresser aux autorités politico-sanitaires de la province qui s'occupent de COVID-19 de venir au secours des établissements d'enseignement supérieur et universitaire, à les dotant ne serait-ce que de thermoflash. Il s'est de signaler qu'à part l'université de Kisangani où la reprise était timide, d'autres institutions ont repris sans problème les activités académiques.
Et à Kinshasa, capitale de la RDC, les universités et instituts supérieurs ont également emboîté les pas. Et notre équipe s'est rendue à l'Université catholique du Congo pour s'enquérir de cette reprise de cours. Paul Ziakwao et Patrick Borel-Mukendi nous en parlent. La pandémie du coronavirus a impacté l'année académique 2019-2020. Lundi 10 août 2020, les cours ont repris dans les universités. Ici, nous sommes à l'Université catholique du Congo. Les images les démontrent. La rentrée a été effective et particulière. Les étudiants sont accueillis à l'entrée avec la prise des températures, lave-main, avant d'avoir accès dans la cour de l'université. Dans tous les auditoires, les mesures barrières ont été respectées. 1 mètre de distance, port de cache-nez obligatoire et même dans certains auditoires des trop. Les étudiants suivent les cours en projection vidéo. Les recteurs Léonard Santédi évoquent ici les dispositions qui sont prises. Dans les classes où nous avons vraiment beaucoup d'étudiants, 500, nous avons scindé l'auditoire en deux. Et donc les professeurs, vous pouvez le voir, donnent cours dans un auditoire avec les mesures, les gestes barrières, les mesures de distanciation, et les autres suivent ce même enseignement dans un autre local avec les écrans. En outre, le recteur de cet alma mater promet de faire respecter les calendriers académiques malgré son réaménagement. Nous aurons les examens du second semestre, la première session et la deuxième session dans les timings qui nous est imparti. Enfin, l'abbé Léonard Santédi, recteur de l'UCC, et son comité de gestion ont fait la ronde dans quelques auditoires, question de s'enquérir du respect des mesures qu'ils ont mises sur pied. Prenons à présent la direction de la Tchopo pour cette première journée. Les écoles publiques et privées ont ouvert leurs portes aux élèves finalistes à l'école Moana de l'Unikis. Les élèves des maternelles ont repris aussi le chemin de l'école dans le strict respect des mesures barrières. C'est un reportage signé par Patrick Mangala. Nous sommes au complexe scolaire Moana de l'Unikis. Après 4 mois de confinement, les élèves de l'école maternelle et finalistes des primaires et secondaires ont repris ce lundi 10 août le chemin de l'école. Dans cette école, les dispositifs de lave-main, le port de masque et la distanciation physique sont respectés dans les salles de classe. Pour cette première journée, la reprise est encore timide. La directrice de l'école demande aux parents d'envoyer les élèves à l'école. Le message que nous adressons aux enfants, aux parents, que le parent puisse nous amener les enfants. Et nous allons payer si... La protection, nous allons veiller pour que nous puissions suivre de près les mesures de barrière pour ne pas favoriser la propagation de... Il s'est de signaler que plusieurs écoles de Kisangan ont repris sans problème. C'est le cas du collège Maïlé, des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. Les élèves finalistes du complexe scolaire Monseigneur Moké, situé au quartier Matongé, dans la commune de Kalamu, ont officiellement repris les cours ce lundi du août 2020. Ces derniers se disent prêts à affronter les tests nationaux de fin d'études primaires, TENAFEP, et les examens d'État du 20 au 27 août pour le premier et du 7 au 10 septembre pour les seconds. C'est un reportage signé par Sylvain Kapombo-Bosengele et Jenny Tamboué-Malou. Tel qu'annoncé par le ministre d'État en charge de l'EPST, la reprise des cours pour les finalistes du niveau primaire et secondaire a été effective ce lundi 10 août 2020 au complexe scolaire Monseigneur Moké dans la commune de Kalamu. Les bleus-blancs ont répondu en masse après un long moment de repos passé à la maison suite à la contrainte de la COVID-19. Troisième donnée résumée. Pour les responsables de cet établissement conventionné catholique, toutes les mesures ont été prises pour accueillir et protéger les enseignants, les élèves et les personnels administratifs. Pendant que les élèves entraient, il y a eu les thermoflash pour prélever la température de chaque élève et même des parents qui devraient accéder dans notre cours. À part les thermoflash, nous avons inondé les robinets pour permettre aux élèves de pouvoir nettoyer les mains
avant d'accéder dans les salles de classe. Nous faisons l'effort de respecter les mesures barrières. Mais non, j'étais très malheureuse parce que j'avais très envie de rentrer à l'école avec mes amis parce que la vie avec mes amis est plus meilleure qu'à la maison. On se prépare en long et en large. Déjà que pendant ces confinements, on n'était pas bras croisés, on étudiait, on s'exerçait, on suivait le cours proposé par le ministre Willy Bakonga. Dans chacune des salles de classe, l'on pouvait constater différentes matières dispensées par les enseignants du complexe scolaire Monseigneur Moké. Même situation à Goma, dans la province du Nord Kivu, les élèves de l'école primaire et secondaire ainsi que les universités ont repris les cours. Les élèves et étudiants étaient munis de leurs masques avant l'entrée dans la salle des classes et de l'auditoire. Des cours ont été effectifs ces lundi dans les écoles primaires, secondaires ainsi que dans des universités de la ville de Goma. Les élèves et étudiants qui se sont présentés sans masque se sont vus mis à la porte par les autorités scolaires et académiques. Les enfants portent des masques. Chaque enfant doit avoir 3 masques. Donc nous tenons en sorte que ces mesures soient scrupuleusement respectées pour éviter, dans la mesure du possible, plus de contamination. Enseignants réunis au sein de la force syndicale nationale, la FOSINAT, dans le Nord Kivu, qui au départ n'étaient pas prêtes à reprendre avec les cours, ont également répondu au rendez-vous. Néanmoins, ils boycottent la gratuité de l'éducation prônée par le chef de l'État. Chama Vouba, la présidente provinciale de la force syndicale nationale, FOSINAT, avance que ce sont les parents qui vont devoir payer les enseignants et non l'État congolais qui fait preuve des irrégularités. Disons qu'ils ne craignent pas la grève. Il n'y a aucune grève ici chez nous au Nord Kivu. Nous sommes en train de travailler avec les enfants des parents qui ont compris l'action didactique de la gratuité sur l'éducation de leurs enfants. Donc nous ici, le gouvernement, comme il n'a pas répondu à nos revendications et il nous a demandé de travailler, nous sommes à la merci des parents. Donc ce sont les parents qui vont payer la prime. Et celui qui ne va pas payer la prime va rester avec son enfant calmement à la maison, en confinement. Signalons que les enseignants du syndicat national des écoles protestantes et d'autres autour de la synergie syndicale des enseignants du Nord Kivu ont refusé de regagner le chemin de l'école. Ils réclament du président Félix Tshisekedi la prise en charge des enseignants nouvelles unités et non payées. À l'école Marie-Reine Mère à Kasavubu à Kinshasa et à l'Institut national pour aveugles dans la commune de Kinshasa, la rentrée était effective, constatée par Brandi Toumba et Esther Badibiavi. La reprise des cours est effective. C'est lundi 10 août 2020 à Kinshasa pour les finalistes du primaire et secondaire. À l'école Marie-Reine Mère située sur l'avenue Sayo à Kasavubu, les élèves ont répondu présents au cours. Dans les salles de classe, la distanciation physique est respectée. Ils avaient tous mis leurs masques comme exigé par les autorités compétentes. Sur place, les élèves ont étudié normalement et sont satisfaits. On me donnait les devoirs à l'école. Moi, j'étais en train d'étudier. On me donnait les devoirs à l'école. On travaillait à la maison pour préparer les TNFF. Faites du bien de retrouver encore les élèves qui nous sommes séparés il y a 4 mois. Et ils sont là pour préparer leurs épreuves qui interviendront d'ici là. Nous sommes contents. De Kasavubu à la commune de Kinshasa, le blé blanc était là. À l'Institut national pour aveugles, la reprise de cours est aussi effective. Mais des absences ont été tout de même signalées, surtout les élèves malvoyants. Oui, nous disons aux parents qui sont nos partenaires qu'ils nous envoient ces enfants. Parce que comment voulez-vous les uns? Ils sont déjà à l'école sur 52, j'ai 40 et ceux qui restent encore à la maison pour attendre encore quoi? En tout cas, les mesures barrières ont été respectées dans les écoles visitées. Les élèves finalistes du primaire vont passer les épreuves des TNFEP du 26 au 27 août et ceux des humanités du 7 au 10 septembre 2020.
Académie, le ministre provincial de l'éducation dans la province du Tanganyika, accompagné des membres de l'éducation, ont fait la ronde dans de différentes écoles de la place pour s'enquérir de la situation des élèves qui ont répondu présents au cours et voir si toutes les mesures barrières ont été respectées. C'est un reportage signé par Mouma Fataki. La reprise des cours pour ce lundi 10 août en RDC a connu son activité académique chef-lieu de la province du Tanganyika. Voici toute son étendue. Après avoir été fermée, les écoles ont enfin ouvert leurs portes. Cette reprise a couronné des classes qui étaient à l'honneur, notamment la 6e primaire et la 4e des humanités ex-6e. Au Tanganyika, Madame la ministre de l'Éducation, Natacha Moulongen-Pundu, a lancé officiellement l'ego de cette reprise au lycée Amani avant d'effectuer une ronde dans de différentes écoles. Effectivement, nous sommes dans un contexte particulier de la COVID-19 qui nous a poussé à ce que nous puissions descendre dans les écoles, nous rendre compte si les mesures barrières sont respectées dans les différentes classes. Alors, au terme de notre visite, nous nous rendons compte que les mesures barrières sont respectées dans les écoles et le travail ne s'arrête pas là. Nous devons continuer à sensibiliser et appuyer nos écoles afin que les mesures barrières soient effectives dans toutes les écoles. La ronde effectuée par les cadres du secteur éducationnel avait des objectifs visés. Premièrement, lancer officiellement l'ego de la reprise puis s'enquérir de son effectivité. Natacha Moulongen-Pundu s'est félicité grandement de cette reprise des cours réussie au Tanganyika et les élèves tout comme les enseignants ont tenu prudemment au respect strict des mesures d'hygiène. Quittons le Tanganyika pour revenir à Kinshasa et vous signaler que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiny Gobilambaka, a visité les samedis derniers les personnes dites opprimées. Le premier citoyen s'est rendu tour à tour à l'orphelinat dénommé Centre d'encadrement Maison de mon père, assistance et renforcement, c'est ma part en sigle, dans la commune de Selimbaou et les centres d'encadrement Ndakouya-Bissau dans la commune de Makala. Sylvain Kapombo Singelet était et dans la suite pour le compte d'Antena. Aussitôt arrivé, Jean-Tiny Gobilambaka a été accueilli par la délégation des dirigeants de ces centres, chapeautée par le pasteur Josué Ikoma, fondateur de l'orphelinat. On pouvait lire la surprise et la joie sur les visages des orphelins de Semapar qui scandaient des cris de joie, une façon de souhaiter la bienvenue au premier des Kinois. Dans son mot des circonstances, le pasteur fondateur de Semapar a remercié le gouverneur Jean-Tiny Gobila pour la visite surprise aux 91 enfants que compte cet orphelinat. Pour les promoteurs, Jean-Tiny Gobila est la première autorité qui a pensé leur rendre visite. Il en a profité pour parler des difficultés auxquelles le centre fait face pour la survie de ses enfants. Lors de son adresse à l'assistance, l'autorité urbaine a été émue par la présence d'un bébé de 5 mois environ, dont la mère a perdu la vie en donnant naissance dans des conditions de précarité déplorables. Abandonné, ce bébé a été récupéré par l'orphelinat. Les premiers citoyens de la ville ont fait savoir aux encadreurs comme aux enfants de ces centres que désormais, ils ne seront plus seuls car il ne ménagera aucun effort pour les soutenir. Après Selimbaou, le cortège de l'autorité urbaine s'est dirigé vers la commune de Makala, au centre d'encadrement Ndakouya-Bissau, dirigé par les frères Pierre. Très honoré également d'avoir reçu l'autorité urbaine, le prélat catholique a exprimé sa satisfaction au gouverneur de la ville de Kinshasa avant de présenter les missions de ce centre. Pour lui, Ndakouya-Bissau n'est pas un orphelinat, mais un centre d'encadrement et de rééducation pour les enfants en rupture familiale. Très ému, Jean-Tiny Gobilambaka a voulu apporter du réconfort à ses enfants attristés par les vicissitudes vécues dans la rue. Là-bas aussi, le gouverneur a laissé un important lot de vivres avant de s'inviter à table avec ses enfants délaissés. Une façon pour lui de leur redonner les sourires.
Autre chose à présent, l'église Lumière du Christ au Congo et l'USECO des papas Samuel Massamboukidi a été attaquée par des hommes non en uniforme et non autrement identifiés situés au quartier Mokali dans la commune de Kimbanseke. Ces temples se trouvent dans l'insécurité, se voient dans l'insécurité pour accomplir sa mission au sein de la population. Les constats ont été faits par notre équipe de reporters signés Mboshilo Kinzodi. Situé au quartier Mokali, dans la commune de Kimbanseke, l'église Lumière du Christ au Congo et l'USECO en sigle a été attaquée la semaine dernière par des hommes non autrement identifiés. Les fidèles de son éminence et représentant légal Samuel Massamboukidi ont vu leur temple saccagé. Rencontrés sur place, quelques témoins relatent les faits. Vers 23h, tu sentis mon mouvement, mon gros, mon menace. C'est vers 23h que nous avons senti un mouvement des hommes en uniforme. Aussitôt, ils menaçaient les policiers qui veillaient sur l'église. Nous avons assisté à cela en distance. Nous avons écouté un bruit terrible à la porte. Du coup, nous avons vu les policiers en train d'escalader les murs de l'église. Ils ont commencé à taper les croyants sans raison. Je viens même de l'hôpital et voici la plaie. L'église est un lieu sacré qui mérite le respect et la considération. Mais hélas, cette ambassade et ses environs se trouvent dans l'insécurité. Malgré tout, la justice a été déjà saisie. Les fidèles et les responsables de cette communauté attendent que ces inciviques soient identifiés. Pour rappel, et l'USECO contribue au développement de la République démocratique du Congo sur le plan socio-économique à travers ses écoles, fermes, centres de santé et agriculture. C'est dur, dur. Le ministre délégué à l'intérieur en charge des affaires coutumières, maître Errol-Michel Vondimeya, a sensibilisé la population des Kanluka dans la commune de Kitambo sur les respects de mesures barrières pour lutter contre la propagation de la COVID-19 et à la même occasion, il a distribué des masques ce dimanche 9 août 2020. Suivez. La lutte contre la COVID-19 est une affaire de tous. C'est dimanche 9 août 2020, le ministre délégué à l'intérieur, en charge des affaires coutumières, maître Errol-Michel Vondimeya, a sensibilisé la population des Kanluka, communément appelée État, dans la commune de Kitambo sur le respect des mesures barrières et il en a profité pour distribuer les masques. À la même occasion, Vondimeya a sollicité le soutien de ses frères pour soutenir les actions du chef de l'État. Je suis venu rencontrer mes frères et sœurs de Kanluka et les sensibiliser par rapport à la pandémie de COVID-19. Je les ai entretenus afin qu'ils puissent soutenir la coalition FCCH. Dans chaque maison, il y a des problèmes. Chaque fois que nous aurons des difficultés, que mes frères, les Congolais, soient derrière le gouvernement, derrière le chef de l'État. En même temps, de leur parler du 10e anniversaire du Renovable Mon Parti pour que le 29 août, nous puissions tous nous retrouver à l'UMICA afin de célébrer ce 10e anniversaire. Et le Renovable, à cette occasion, va donner sa position en tant que parti politique sur la conduite de notre pays. Le numéro 1 des us et coutumes de la République démocratique du Congo a promis de poursuivre avec des descentes dans d'autres communes de la capitale afin de sensibiliser pour lutter contre la propagation de la COVID-19. Place à présent à la page VOA, l'actualité sélectionnée par nos partenaires. Au Mali, les membres de la nouvelle Cour constitutionnelle prêtent serment ce lundi devant l'Assemblée nationale et le président Ibrahim Boubacar Keïta. Amadou Ousmane Touré, l'un des 9 membres de la Cour, a été élu à l'unanimité président de l'institution. Les forces armées du Niger traquaient lundi soir les auteurs de l'attaque dénoncée comme terroriste par Niamey et Paris, qui a tué 8 personnes dont 6 Français dans la région de Kouré. Le président nigérien Mahamadou Issoufou a condamné dimanche soir l'attaque en la qualifiant de lâche et barbare.
L'Afrique du Sud a passé le cap de 10 000 morts du coronavirus depuis que l'épidémie est apparue dans ce pays en mars, a annoncé samedi le ministère sud-africain de la Santé. Entre-temps, à Madagascar, le président Ange Rajoel continue de défendre son remède, le Covid organique, malgré l'augmentation du nombre des contaminations. Il affirme que sans cette potion, les rues de son pays seraient remplies de cadavres. Complétons l'actualité par des journaux Paris ce lundi 10 août 2020 dans une sélection et commentaires des Marie-Sylvie Fortuné Mboula. Bienvenue à cette revue de presse. Affaire de juge, le communiqué de la présidence fait polémique. Forum des As renseigne que le pôle de communication de la première institution du pays agit comme un service extérieur en demandant au chef de l'État de constater d'office la démission de deux hauts magistrats. Il s'agit de Jean Ouboulou et Noël Kilomba, anciens juges de la Cour constitutionnelle, qui ont refusé leur récente nomination à la présidence de la Cour de cassation au terme de l'ordonnance présidentielle du 17 juillet dernier. Justement, le syndicat national de magistrats du Congo Sinamac juge que la question sur ces refus doit être étudiée de façon minutieuse, remettant en cause l'authenticité de cette correspondance attribuée à ces deux juges de la Cour constitutionnelle, renseigne la Prospérité. Parlant d'un recours gracieux, le président du Sinamac a laissé entendre que chaque juge a un dossier individuel puisque chacun a été nommé individuellement, d'où le recours ne peut se faire de manière collective. Toutefois, le syndicat national de magistrats du Congo promet de se prononcer très bientôt. Le temps pour lui de collecter toutes les informations nécessaires sur l'authenticité du fameux document. Entre-temps, la Référence Plus note que la Banque centrale du Congo interdit aux combistes d'afficher le taux de change à l'extérieur. Dans un communiqué daté du mardi 4 août 2020, la BCC a rappelé aux combistes et bureaux de change agréés l'interdiction d'afficher publiquement le cours de change. La BCC invite cependant les autorités compétentes à prendre les dispositions idoines pour mettre fin à cette pratique. Terminons avec Africa News qui revient sur l'inhumation de Monzali. Mort à Paris et inhumé samedi dernier à Kinshasa, Monzali décoré médaille d'or de mérite des arts, sciences et lettres. Selon le conseiller juridique du chancelier des ordres nationaux qui a fait la lecture de l'ordonnance, la République démocratique du Congo reconnaît au comédien Alphonse Monzali les mérites rendus à la nation à travers ses œuvres théâtrales. Deuxième d'une famille des 10 enfants, il est devenu le cerveau moteur du trio Mangobo et Lokuli. Que son âme trouve les repos éternels. Bonsoir. Une page magazine dans ce journal du séminaire des ACC signé Solange Kwale Pembele, Papi Katasi et Ange Kassa. Un autre Congo est possible, géré autrement et surtout apporter une autre dimension dans la vision des affaires de l'État. Telles sont les idées forces du parti politique Action Concrète pour le changement des maîtres Bienvenu Boumboué, qui avant sa sortie officielle a voulu réarmer sur les plans idéologiques une trentaine de ses cadres réunis le dimanche 9 août 2020 en la salle des réunions des Cafés Mozart à la Gombe. De 9h à 15h, ceux qui sont appelés à véhiculer les idées forces et cardinales de ces jeunes partis politiques ont eu droit à quatre exposés ou modules d'éminents orateurs. Les options économiques, financières et stratégiques d'implantation du parti, Melchade Tao s'est appesanti sur l'essence étymologique d'un parti politique. Dans son intervention, il a rappelé les idées forces qui sous-tendent l'action concrète pour le changement. L'ingénieur Denis Albéric Tokouzou s'est appesanti sur la politique de développement durable et des infrastructures telles que prônées par l'ACC, l'action concrète pour le changement. Après avoir peint la situation peu résiliente des infrastructures au Congo-Kinshasa, l'ingénieur a proposé la vision de la CC pour sortir les pays du gouffre. Entre autres, la réhabilitation des routes et des sectes agricoles, d'intérêt national, des aéroports et surtout l'électrification de toute l'étendue du territoire.
En maître des cérémonies, le président de l'ACC, l'Action concrète pour le changement, maître Bienvenu Boumboué, a profité de son module basé sur les options politiques, administratives, sécuritaires et juridiques de l'ACC pour davantage doper le cadre de son parti politique à connaître davantage l'idéologie, la vision et surtout la philosophie de l'Action concrète pour le changement qui prône le libéralisme et le fédéralisme comme système politique et mode de gestion. Cerise sur les gâteaux, le docteur Michel Louaille a évoqué la politique socio-culturelle de l'ACC en insistant sur la vision de ses partis politiques en matière du système sanitaire. L'ACC opte pour le remodelage du système sanitaire et l'accès de tous aux soins de santé. Maître Bienvenu Boumboué, numéro 1 de l'ACC, est revenu sur les objectifs de cette session d'information, la place et surtout les enjeux politiques pour son parti politique. Un parti politique doit commencer par former ses cadres avant de les envoyer affronter la population. Puisque la population qui viendra adhérer, les gens qui viendront entrer dans les partis, auront des questions à poser. Mais ils doivent être outillés suffisamment pour être en mesure de répondre à toutes les questions d'où qu'elles viennent. J'ai confiance en ces gens que vous voyez là, parce que nous croyons en nous-mêmes. Sinon, ils ne seraient pas là. Vous pouvez les poser des questions, ils vont vous les démontrer. Ce sont des personnes intelligentes, capables de pouvoir assimiler, et ils ont assimilé. Organisez-moi des émissions, vous allez voir, vous allez apprécier. Ils sont capables, et j'ai convaincu, je sais qu'ils ont maîtrisé l'idéologie du parti. Et même demain, ils peuvent déjà descendre, affronter la population, vous ne serez pas déçus. Nous croyons nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes. Ah oui, nous sommes nous-mêmes, c'est ça notre tendance. Voilà pourquoi nous disons nous croyons nous-mêmes. Cela ne signifie pas que demain, nous ne puissions pas entrer dans une alliance électorale. Je précise électorale. Vous savez, le malheur du pays, c'est que parfois les gens se regroupent sans idéologie. Vous voyez les communistes avec les fédéralistes, les unitaristes, et parfois avec, sans projet de société ou avec des projets de société diamétralement opposés, se mettre ensemble pour des besoins de participer à la mangeoire. Voilà pourquoi, jusque-là, nous ne voyons pas pourquoi nous devons nous associer à X ou Y. Nous sommes nous-mêmes, nous travaillons, le peuple va les juger. Désormais armé idéologiquement et détenant les instruments légaux de l'ACC, ce noyau des cadres peut désormais descendre sur terrain pour parler de ses partis politiques et de sa vision. Maintenant, nous sommes déterminés à prendre les destins de notre pays. Voilà pourquoi nous avons suivi l'idéologie du parti qui renferme notre façon de voir d'une manière politique, économique, sociétaire, sanitaire, et nous avons tout résumé aujourd'hui, et cela nous permet d'apporter une lueur de plus aux Congolais que nous sommes. Avant que nous arrivions à appeler les membres pour qu'ils viennent adhérer à notre parti, nous devons leur opposer l'idée principale de notre parti. C'est l'une des raisons qui a fait en sorte que le président de notre parti a organisé des formations idéologiques pour que nous soyons en mesure de répondre aux préoccupations de la population congolaise. On devait nous gaillardir que, comme une bonne famille, nous devions avoir une seule idée, ok, pour qu'on n'aille pas en bébris dispersé. Tous les cadres devaient se retrouver pour avoir le mot d'ordre du parti. L'Action concrète pour le changement espère proposer au peuple congolais une autre vision de la République, différente de celle que proposent les autres partis politiques. C'est par ici qu'est prend fin ce journal qui a été réalisé par Léonard Mouemiri. Daïla Mbouetchi était chef d'édition, Rigo Mouloko derrière la caméra, régie finale et production. Oh, merci beaucoup, mais bien avant, rappel des titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a sillonné quelques instituts et universités pour constater la reprise effective des cours à Kinshasa. Plusieurs écoles, instituts supérieurs et universités ont réouvert leurs établissements ce lundi 10 août 2020 pour accueillir les élèves des classes terminales et les étudiants. Une trentaine de membres et cadres du parti politique Action concrète pour les changements étaient à l'école du savoir. Leçon du jour, l'idéologie de cette structure. Cette formation prône le fédéralisme et le libéralisme économique. Voilà, c'est tout pour ce soir. Le prochain rendez-vous pour des informations, c'est demain à 7h30. Quant à moi, je vous retrouve demain à 19h pour la grande édition du journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez branchés sur le programme de la chaîne des références Antenna. Au revoir. Thank you.